Disais tantôt, je suis Madame Sandoff. Mon mari est colonel au camp où votre fille suit sa formation. Ma fille Ayane? Oui, il s'agit d'elle. Savez-vous que votre fille a eu une relation avec mon mari? Et à cause d'elle, mon mari a été muté jusqu'à Falangoutou là-bas dans le désert. Vous êtes sûre que c'est ma fille Ayane qui a fait ça? Madame, et pourquoi je serais ici sinon? Madame, j'ai 3 enfants et ils vont à l'école. Toute seule, je ne saurais pas m'en sortir. C'est pourquoi je suis venue vous demander de lui parler afin qu'elle arrange la situation. Je vais lui parler. Et si ce que vous me dites est vrai, je vais essayer d'arranger ça. Vous mettez ma parole en doute? Je serais venue jusqu'ici pour mentir sur votre fille? Madame, est-ce que je sais compter sur vous? Comptez sur moi, madame. Dans ce cas, je vais demander la route. Ok. Au revoir, madame. Au revoir. Et merci bien. Ayane? Est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et le colonel? Le colonel Sandoff? Oui. Non? Comment ça non? Sa femme est venue me voir. Elle dit qu'à cause de toi, son mari a été muté. C'est pas vrai. C'est des histoires. Comment ça, c'est pas vrai? Tu veux me dire que sa femme est venue me mentir? Maman, cette femme, c'est une folle. Tout le monde la connaît au camp. Et même les filles du camp sont jalouses de moi. Tu te rappelles qu'elle m'avait blessée? Je ne comprends plus rien à cette histoire. Mais tu es ma fille. Je dois te croire. J'espère que tu me dis la vérité. C'est la vérité, maman. D'accord. Bonjour, Nafi. Bonjour. Comment ça se passe ici? Ça ne va pas. Depuis ce matin, je n'ai même pas eu un seul client. À ce point? Ça commence à m'inquiéter. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Écoute, Soraya, comme nos parents ne veulent pas qu'on soit ensemble, moi je propose qu'on s'enfuit. Mais pour aller où? On n'a pas le choix. Si on ne part pas, on ne pourra plus se revoir. Tu veux venir avec moi? Mais tu as pensé à comment est-ce qu'on va s'enfuir? Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de ça.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose de grave à te dire. C'est au sujet des camions. On s'est fait arnaquer. Quoi? Tu m'avais dit que c'était une affaire très sûre. Si ça se trouve, tu n'es même pas un banquier, tu es un escroc. Moi, un escroc? Je t'assure que je travaille dans une banque. D'ailleurs, voici mon badge. Écoute, Irène, je te promets de récupérer tout cet argent. Tu as intérêt. Sinon, cette affaire va se terminer à la police. Allô? Allô, Soraya, ça va? Ça va. Ok, je passe te chercher jeudi à 20h à l'endroit convenu. Ok, pas de problème. Ok, bye. Bye. Madame. Voici le compte que vous m'avez donné. Avec ça, on va fermer le magasin. Magasin, rien ne va plus. Je risque de fermer. Où tu en es avec l'argent des camions? Ne t'inquiète pas, je suis toujours là-dessus. La semaine prochaine, je dois recevoir une partie. Je compte vraiment là-dessus. Parce que je n'ai plus rien. Mais ma chérie, tu sais, notre histoire a beaucoup évolué depuis. Alors, je voulais te demander quelque chose de très important. Veux-tu m'épouser? Quoi? Allô? C'est Irène. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens de la banque. L'acte de propriété que vous m'avez remis est un faux. J'ai pas pu obtenir mon prêt. Je suis complètement ruinée. Qu'est-ce que je vais devenir? Espèce d'escroc? Allô? 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 Maman, il y a un problème. Il n'y a rien, Lily. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis que tu as pris l'acte de propriété de la maison. Mais malheureusement pour toi, c'était un faux qui était dans la boîte. J'ai toujours l'original avec moi. Bonjour. Bonjour, madame. Le monsieur qui fait les documents, où il est? Il a fermé il y a longtemps. Comment ça? Thank you.
Irène, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je me suis fait escroquer par un petit voyou. Toi non plus, tu ne rembourses pas l'argent des camions. J'en ai assez. Cette situation est insupportable pour moi. Je n'en peux plus. Arrête de pleurer et calme-toi. Pour l'argent, je t'ai promis de le récupérer et je vais le faire. Et puis, si ça va si mal chez toi, pourquoi tu ne déménagerais pas ici? C'est impossible, je ne peux pas. Ah bon? Pourquoi? Ma maison n'est pas assez bien pour toi? Mon mari en mourant m'a laissé un héritage. Et l'une des conditions, c'est que pour l'instant, je ne parte pas de la maison. Sinon, je perds tout. Un héritage? Et il vaut combien? Des millions. Hé, hey, Ramatou, comme ça tu veux me doubler? T'es doublé comment? J'ai appris pour l'héritage d'Irène qu'il faut des millions. C'est pour ça que tu m'as engagé. Je veux ma part. 50%. 50%? Je ne peux pas te donner 50%. Ah ah, dans ce cas j'arrête tout. Attends. On fait 70-30. Ça m'arrange pas. 60-40. 60-40. Ok. Donc donne-moi une avance. Je t'appelle après pour ça. Tu as intérêt à ne pas me doubler, hein? Excusez, est-ce que vous connaissez le monsieur qui vient de passer? Oui, je le connais très bien. Il paraît que c'est un banquier. Oui, je ne sais pas ce qu'est un banquier, c'est pas un banquier, c'est un escroc. Tout le monde le connaît dans ce quartier-là. Il vient de sortir en prison il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous connaissez Tandy qui est là-bas? Oui, oui, je la connais. Ah, dis, de faire très attention à ce monsieur-là. C'est un escroc. Je voulais te parler de Cédric. Lily, qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'est pas l'homme que tu crois. C'est pas un banquier, c'est un voyou et un escroc. Et comment tu sais ça, toi? Je me suis renseignée. N'importe quoi. Va faire tes devoirs. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Oh, Lily, ça suffit maintenant. Dehors. Qu'est-ce qui se passe là? Où sont tes bagages?
Je vais plus. Mais pourquoi? Je pense que c'est pas une bonne idée qu'on s'enfuit. Soraya, tu m'avais promis. C'est vrai. Mais on n'a pas d'argent. On va manger quoi? On va dormir où? C'est difficile. Je crois que c'est mieux que tu te concentres sur le coup avec mon père. Comme ça, quand tu auras ton héritage, on ira où tu veux. Promets-moi que tu vas te concentrer pour suivre le coup. S'il te plaît. Allez, monte, je te dépose. Ça va bien. Colonel Isaac. Enchanté. Bien, merci. Ça va chauffer. Hey. Et toi, tu as tout entendu. Karine. Ah, Raphaël. Joins-toi à nous. Ta cousine est là. Ma fille, ça va? Très bien, cousin. Karine, je te laisse. On se verra plus tard. Okay. Je vous laisse en amoureux. À plus, cousin. Oui, cousine. Tu m'as manqué, tu sais. Ah ouais, ouais. Oui. Ayan Kam, matricule 0033. Au repos. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de grave. C'est juste pour vous souhaiter la bienvenue. Ah bon? Vous avez besoin de me déranger pour ça? Vous m'avez vu traverser le secrétariat, non? Disposez. Raphaël? Oui? Depuis que tu m'as promis de t'occuper de notre mariage, tu ne dis plus rien. Si tu ne veux pas aussi, tu peux le dire. Non, Karine. On ne t'en fait pas. Dans quelques semaines, ce sera réglé. Hein? Ça ne va pas? Tu sais, Raphaël m'a promis le mariage. Mais depuis, il me fait tourner en rond. Nafi, tu peux lui parler? Moi? Tu es sa cousine. Peut-être que tu arriveras mieux à le convaincre. Ah! Karine, moi je ne veux pas me mêler de vos histoires. Je t'en prie. Tu es mon seul espoir. D'accord. Je vais essayer. Mais je ne te promets rien. Ok.
Thank you.